Bon, nous prions. Seigneur, merci une fois de plus de nous rassembler dans cette maison. Nous voulons te prier, oh Seigneur, pour que tu nous guides, pour que tu nous conduises dans cet enseignement. Tenez Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta miséricorde. Tenez Dieu, que ton esprit descende sur nous. Sanctifie-nous par ton sang précieux. Guide-nous, oh Seigneur, Dieu de gloire, que ta parole, Seigneur, luise. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, t'en prie. Amen. 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 Enfin, quand tu as parlé à Dieu, et puis il ne veut pas parler à Dieu. Pas de compte. Le professeur est encore là dans un autre enseignement. Oui. Oui, peut-être avant que tu n'aies avec tes les sujets. Une question, oui. Je voulais. Parce qu'on a la grâce d'être avec. Le grand prof. Oui. En fait, c'est la vie, là, c'est la vie pratique d'un serviteur de Dieu. Alors, comment il fait pour gérer les prières? Parce que chaque fois qu'on prie, n'est-ce pas, on doit se rassurer que pour avoir la volonté de Dieu, ce ne soit pas peut-être mêlé avec nos émotions ou notre façon de voir les choses, avec notre moi. Alors, je crois que c'est dernièrement, j'étais en train de méditer sur ces choses, je me disais, si, normalement, si tu as peut-être, tu as tes cousins, je ne sais pas, tu vas avoir des cousins ou des gens avec qui tu as une certaine affection, ils viennent peut-être te voir pour prier, peut-être par rapport à des orientations, soit leur carrière ou des choses comme ça. Alors, pour que ce que tu vas recevoir de Dieu soit neutre, que ce ne soit pas influencé, est-ce que peut-être c'est pas mieux quand quelqu'un, c'est-à-dire pour les choses qui concernent les choses dont il a un lien avec Dieu? Que peut-être demande à une autre personne de prier pour lui, étant sûr que dans ce cas-là, ce qu'il va recevoir sera strictement la volonté de Dieu. Ok. Alors, ça veut dire que ça pose la problématique de savoir gérer les émotions et les liens familiaux. Mm-hmm. D'abord, la Bible déclare dans le livre de Luc qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa propre patrie. Mm-hmm. Mais il ne demeure pas moins que le premier miracle que Jésus a fait, c'est à cause de sa maman qu'il a fait. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une règle assez stricte. Ça, c'est la première des choses. Mm-hmm. La deuxième des choses, c'est que si nous lisons la Bible, alors c'est dans le livre des Romains. Romains, le chapitre 2. Dans le dernier verset du chapitre 2 de Romains, il y a quelque chose qu'on va ressortir. Mm-hmm. Ici, dans ce livre du chapitre 2 de Romains, Paul, l'apôtre, est en train de mettre en exergue l'essence même du vrai juif tel qu'appelé par le Saint-Esprit. Puis, il présente le fait que les chrétiens sont les vrais juifs. Les chrétiens. Nonobstant qu'ils soient de la nationalité israélite ou bien de chez les païens. Parce que quand on dit chrétiens, les premiers chrétiens étaient des juifs justement. Dans le verset 29, dans le dernier verset, qu'est-ce que ça dit? Il est écrit, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Oui. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais de Dieu. Dans ma version, il est écrit, mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement. Oui. Qui est circoncis dans son cœur d'une circoncision qui dépend de l'esprit de Dieu et non de la loi écrite. Oui. Ce vrai juif reçoit sa louange non des hommes mais de Dieu. Voilà. D'un côté comme dans l'autre, si ici la louange c'est la personne qui doit chanter, on dit que cette louange vient de Dieu. Si là-bas, on n'a pas de l'appréciation, c'est-à-dire que son appréciation, c'est Dieu qui apprécie. Mais de toute façon, il est question aussi de la circoncision du cœur. Parce que quand le cœur de l'homme est circoncis, cette personne, c'est une vie selon le sentiment humain, selon les déontologies et les normes dans le cadre humain pour pouvoir relationnel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de corruption là-bas. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, lorsque la mère des fils de Zébédée sont venus, elle est venue avec ses deux fils, dit à Jésus que permet que ça se prouve comme ça au royaume, que celui qui s'assoit à sa gauche et à sa droite. Christ Jésus a dit, pour ce qui est d'être assis à la gauche et à la droite, ça a été réservé. Et ce sera uniquement pour ceux à qui cela a été réservé. Donc on voit effectivement une tentative de combine là-bas, pour qu'au ciel, on puisse accepter telle ou telle chose. Tu vois ça? Alors donc, ça veut dire que si on avance bien dans les Saintes Écritures, comme 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2,
Les versets 12 à 16 disent, ce sont les choses que Dieu nous a réservées par sa grâce. Et ces choses-là, il nous a révélées par l'Esprit. Quand Dieu révèle les choses par l'Esprit, ça ne dépend pas si tu es ta mère, son père ou quoi que ce soit. Il le fait tout simplement. D'accord? Mais très souvent, et ce n'est pas le cas seulement de notre frère, de notre propre membre de famille. Très souvent, vous voyez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous souhaitez que la chose par laquelle elle a été traversée se résolve. Mais le Saint-Esprit dit autrement. Et autre chose, c'est que vous remarquez dans les Saintes Écritures que beaucoup de personnes qui ont invité Jésus-Christ à manger, Jésus-Christ à résolver le problème des gens autour. Cette personne-là, cette personne-là ne recevait rien. Il recevait tout simplement la grâce du fait qu'il ait reçu le Messie chez lui. Tu vois ça? Et ça veut dire que peut-être Dieu peut ne pas faire directement ce qu'il a demandé, demander, ce dont il attend, mais autre chose, et il reçoit de cette chose-là. Mais dans le sens, la personne qui est censée communiquer cette grâce-là, ce n'est pas, ça ne dépend ni de lui, parce que même le sentiment que nous avons vis-à-vis de notre, on dit, oh, c'est ma maman qui est malade, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit, on ne peut pas aller autre. Voilà. C'est donc pour cela, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit chaque fois que les dons que nous avons reçus n'est pas à notre disposition pour que nous les utilisions comme nous le voulons. Vous voyez? Mais on peut sonder l'esprit pour savoir quelle est sa direction. Comme Paul l'apôtre dit dans le livre de Romains chapitre 1, en disant aux Juifs qu'ils désirent venir chez eux pour communiquer, pour compléter ce qui manque à leur foi. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Vous voyez cela? Communiquer. Après, il se rend compte qu'il a dit quelque chose de trop fort. Il dit que non, ou mieux que nous soyons fortifiés les uns les autres. C'est parce qu'il voulait, il voulait dire communiquer ce qui manque à notre foi. Oui, pour communiquer que le don spirituel. La volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit veut dire clairement que l'église qui était à Rome, les différentes communautés qui étaient à Rome n'avaient pas été instituées de la manière apostolique. Il faut qu'il parte d'abord pour que le don spirituel commence. Voilà. Donc, on ne peut pas mélanger les sentiments fraternels avec les choses de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le corrompre ni le manipuler. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Exactement, parce que le cas même dont tu parles dans cette histoire de Marie de Magdala, lorsqu'elle est venue voir Jésus, on dit que Jésus était chez Simon le lépreux. Il mangeait sa nourriture, non? Voilà. Et si on dit Simon le lépreux, ça veut dire que c'était. On nous dit que c'était un pharisien. Et on l'appelait sûrement lépreux parce que. Oui. Mais on voit qu'il est dans la maison, mais c'est celle qui va venir. Qui obtient des grâces voilà, qui énormes. obtient la grâce. Et Jésus même va lui dire que mais moi je suis entré chez toi, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et pourtant, Et il voilà. n'a pas non plus réclamé. Il a laissé faire pour que ça vienne de façon naturelle et poussé par le Saint-Esprit. Voilà. On y va. On Oui, continue. on va. La préoccupation, c'est juste celle de savoir la nécessité de la prière. Puisqu'il est dit dans la parole que avant donc que je ne demande quoi que ce soit, Dieu est au courant. Bien, cela étant dit, si Dieu sait déjà ce que nous voulons, ce dont on a besoin, quelle est la nécessité de la prière fondamentalement? Pourquoi doit-on prier? Exactement. Sachant que l'issue est connue de lui. Si on continue, qui sait toutes choses en principe, avant même que tu ne demandes, Donc il il n'a sait. qu'à donner. Quelle est la nécessité de la prière? Pourquoi on doit prier? La nécessité. Puisque Dieu a ses enfants. Ses enfants. En tout cas, il a porté son choix sur certaines personnes. Et étant donné qu'il a porté son choix sur certaines personnes, quand il sait que bon, certaines personnes souffrent. Tant que sens on a le besoin, il le sait très bien. Bon, maintenant il y a un cas où d'autres personnes n'ont pas besoin de prier. Mais qui reçoivent de Dieu De grâce. des grâces, exactement. Maintenant, la question fondamentale c'est, Dieu sachant toutes choses, quelle est la nécessité de la prière? Bonne question, professeur. C'est déjà des questions type académique pour la soutenance. Quelle est la nécessité de la prière? Alors, on voit déjà que, parce que je vais m'arrêter au cas
On voit que la prière de toute éternité, depuis le commencement, Dieu voulait une communion avec l'homme. Il voulait que l'homme soit en relation avec lui, n'est-ce pas? Et Dieu lui a sa volonté. Il a sa façon de faire. Quelque part, il nous a dit dans le livre des Haïts que vos voix ne sont pas mes voix. Donc, Dieu montre par là qu'il y a un déphasage entre lui qui est Dieu, parce que nous, l'apôtre Paul va nous apprendre que nous sommes, quand nous sommes vendus au péché. Donc on a subi une déformation. Donc quelque part, on a besoin de s'arrimer à ce que Dieu fait. Et l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 3, il dit que Dieu nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc ça voudrait dire que la volonté de Dieu déjà est un mystère. Et normalement, le but de la prière, c'est de chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on doit, il dit qu'on doit le prier selon sa volonté. Donc, une prière qui est faite en dehors de sa volonté est un problème et risque de ne pas être exaucée. Parce qu'on doit. La vraie problématique, c'est que Dieu connaît la fin d'une chose avant le commencement. La Bible déclare dans le livre de Psaume 139 que la parole n'est pas encore sur les lèvres qu'il les connaît entièrement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, comme il vient de citer, il est dit clairement que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Il va au chapitre 7, il dit demandez et vous serez, et vous sera accordé. La question c'est pourquoi donc demander? Pourquoi donc? Parce que dans la prière, on demande, on place les demandes. Pourquoi donc prier alors que Dieu connaît donc les choses? Il sait donc de quoi on a besoin. Pourquoi prier? Quelle serait donc la nécessité de la prière donc? La nécessité de la prière, pour résumer, c'est pour que Dieu vienne intervenir dans notre règne des humains. Parce qu'on voit que. Et si on ne prie pas, il va-t-il intervenir? Comme il a dit dans le cas d'espèce, qu'il y a des gens qui ne prient N'intervient même pas. pas. Il L'agit. exauce, il agit sans les demander. Il va. Si on ne prie pas. Parce qu'il y a notre part de responsabilité dans le déroulement des choses. Parce que Dieu n'a pas laissé l'homme sans lui donner une certaine autorité. Ça, c'est le point donc qu'il faut regarder. Allons dans le livre de 2 Corinthiens. Ça, c'est bien. C'est ici on comprend le pourquoi la nécessité. Donc, la nécessité vient de la coopération. De la Oui. Coopération. coopération. Donc, Dieu veut les coopérants. Par exemple, pourquoi dans le livre de Genèse, il demande à Adam de donner le nom des animaux? Pourtant, c'est lui qui a créé. Donc, quand il a créé tous les animaux, là, il n'a pas de nom, n'est-ce pas? Il n'a pas de nom, ça. N'a Pardon? pas de nom. Il n'a pas de nom. Pourquoi vous traitez-vous que c'est l'homme qui donne le nom? Tu vois cela? Pourquoi il demande à Adam de garder le jardin? Pourquoi c'est lui qui confie cela? Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 5 et 6. Qu'est-ce que ça dit? Il est écrit, ce n'est pas dire que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Donc, Paul l'apôtre dit ici que la capacité de faire quoi que ce soit, dans le livre des Philippiens, il va dire celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant, Dieu veut que quelque chose soit fait. Comme par exemple, vous lisez le livre d'Exode, chapitre 4. Cette question, c'est également vaste. Vous lisez le livre d'Exode, chapitre 4. On est frappé par le fait que Moïse est commissionné à aller faire monter son peuple dans le pays d'Égypte. Et que subitement, en un endroit donné, la Bible déclare que l'Éternel attaqua Moïse pour le faire mourir. Dans la nuit. Alors que c'est lui qui l'a commissionné, que va en Égypte, va prendre quelque chose. L'Éternel envoya, est venu attaquer quoi, Moïse pour le faire mourir. On dit il l'attaqua pour le faire. Si Dieu était mourir, il fait faire mourir, il m'a dit, comme les gens font dans le film là pour te faire mourir. Non. On dit qu'il l'attaqua pour le faire mourir. Et la Bible déclare, pour montrer le sujet pour lequel Dieu voulait le tuer, la Bible déclare que Séphora, sa femme, prit un caillou, une pierre, et il a circoncis Guéchom, l'un de ses fils, et jeta le sang sur son époux. Et on dit que il est pour moi un époux du sang. Et à cause de ça, Dieu ne l'a pas tué. La question c'est, pourquoi un Dieu voudrait le tuer? Pourquoi, comment Séphora, qui n'est pas
quelqu'un de son peuple a su que c'est le sang qui est le problème, et c'est que le problème de la circoncision de son fils qui est le problème. Tu vois cela? Ici, Dieu attaque Moïse pour le faire tuer parce que le législateur doit respecter la législation. De ce côté-ci, il inspire à la personne pour pouvoir équilibrer parce que sinon, si tu Moïse, il a déjà dit à Moïse que descend, va faire de soi mon peuple. Parce que lui qui a été établi, quand Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas changer à cela. Donc, le même Saint-Esprit inspire ici que fais cela, sinon Dieu va le tuer. De la même façon, comme on dit dans l'idée Actes des Apôtres, comment le Saint-Esprit avertit Paul l'apôtre que par tous les endroits, il y a des tribulations qui l'attendent. Et à un moment donné, tu vois, effectivement, la Bible déclare que les disciples animés de l'Esprit demandaient à Paul de ne pas y aller. Pas vrai? Le même Saint-Esprit dit au travers de Luc et Jean et autres là-bas, dites au pied de ne, à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Le même Saint-Esprit dit, quand tu parles à Jérusalem, les liens Ça et les t'attend. tribulations t'arrêtent. Et c'est le même Saint-Esprit qui va parler au travers du prophète Agabus que celui à qui la cet homme, cette sainteté appartient, sera lié de la même façon aussi. C'est Dieu faisant donc toutes choses. Alors Dieu donc veut une coopération. Et cette coopération donc, il faut que ce soit Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Pour servir au table d'Actes chapitre 6, il a fallu que les gens soient remplis du Saint-Esprit pour pouvoir remplir la tâche de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Qu'est-ce que Dieu a de dire? Au ciel, on ne doit pas prier. As-tu remarqué cela? Au ciel, il n'y a pas de prière. N'est-ce pas? On ne doit pas prier au ciel. Parce que là-bas, nous sommes dans l'invisible. Et dans l'invisible, on connaît comme on a été connu. Maintenant, sur la terre, ici, on se trouve dans deux rideaux de temps. Il y a le rideau des temporels, le rideau d'intemporel, donc de l'éternité. Et par conséquent, le rideau de la chair et le rideau de l'autre côté, on appelle l'esprit. Donc, la communication de la prière, donc, c'est la permanente relation entre l'invisible et le visible. Dieu donc veut que l'homme se souvienne qu'il est d'abord dans l'invisible. Il doit fonctionner dans l'invisible. Sinon, le fait que Dieu veut faire quelque chose ou agir dans notre vie, comme il peut le faire, il veut le faire sans même notre avis, on ne doit pas prendre conscience du fait qu'en réalité, il faut qu'on se souvienne de Dieu dans l'invisible. Sinon, pour cela, sinon, il y a des groupes de personnes qui pensent qu'aujourd'hui, on ne doit plus jeûner. Puisque Christ a tout accompli, on n'a pas besoin de jeûner parce qu'on est sous la grâce. Mais Christ Jésus, lui, il a dit, quand le poulet sera ôté, ils vont faire quoi? Ils jeûneront. Quel est donc l'intérêt donc qu'on jeûne alors que Christ a tout payé? Alors qu'il a détruit toutes les dominations. Il y en a autant de sujets dans les Saintes Écritures. Comment se fait-il que la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations? Il nous a fait quitter la puissance de la lumière, enfin des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils et son amour. Mais l'apôtre, il dit que va les faire délivrer des ténèbres pour qu'ils passent à la lumière. Tu vois? Donc il y a des choses, quand dans un enseignement sur Bambaïba, les réalités non encore Accompli. accomplies. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont données en images, des choses qui sont données en présent pour que les gens qui sont là puissent comprendre. D'autres personnes qui, quand par exemple, dans le monde, on prêche l'évangile pour que les gens qui sont dans les ténèbres puissent venir dans la lumière. Or, pour Christ, c'est déjà accompli. Tous ceux qui sont sauvés sont déjà entrés. Tu vois cela? Il dit bien tous ceux, parce qu'il est entré. La Bible déclare que, étant monté, il a amené les captifs. Il a fait du don aux hommes. Et la Bible déclare que nous sommes assis avec lui ensemble dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire qu'il a amené tous ceux dont là, tous ceux dont pour qui il est mort. Il les a amenés. Mais maintenant, chacun va venir en son rang. Parce qu'il faut qu'ils accomplissent d'abord les choses du salut dans leur propre vie. Alors, pourquoi donc prier pour pouvoir être en contact avec le monde spirituel? Sinon, si on reste tout simplement comme ça, les choses arrivent. C'est un peu comme exactement comme si on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le ténèbre. Donc, Dieu veut une coopération. Une coopération. Si nous lisons dans le livre ici nous voyons comment Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul que notre capacité vient de Dieu. Prenons Luc chapitre 10. Voyons quelque chose encore d'amusant aussi là. Luc chapitre 10. Il dit notre capacité, au contraire, c'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Donc, tu ne peux pas toi-même programmer ton évangile. Tu ne peux pas programmer comment tu vas prêcher les gens pour que les gens soient sauvés. C'est une folie. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour pouvoir le faire. Parce que Dieu veut une coopération. Une coopération. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Arrêtons là-bas, c'est amusant. Voici un autre passage qui m'amuse toujours dans les Saintes Écritures. Christ Jésus dit en réalité, le territoire sur lequel je vous envoie, c'est tellement vaste. Il dit que la moisson est grande. Imaginez un champ de caféier, peut-être de 800 000 hectares. Qu'il faut recueillir ce café, le café que ça produit. Et vous êtes deux à travailler là-dedans.
Ouais, la fatigue, c'est exactement la situation que nous sommes retrouvés sur terre. On s'attendra à ce que Dieu dévie son esprit sur tous les croyants pour qu'on passe vite pour pouvoir faire ce que ça fait. Lui, pas lui choisir un apôtre, Paul l'apôtre. Il dit que tu es l'apôtre de païens. Et à un moment donné, comme ça ne suffit pas dans son ministère, souvent, il attrape le même emploi pendant 2 ans. Et il lui dit que c'est toi-même qui va te mettre dans notre chaîne pour quitter de Jérusalem jusqu'à arriver au niveau de Rome où il va louer sa maison. Ça fait à peu près 2 ou 4 ans. 4 ans de prison et de voyage. Entre-temps, les païens à qui il est destiné sont là. D'autres sont allés mourir sans connaître l'évangile. Mais ceux à qui il est destiné sont là. Alors on se pose la question, pourquoi donc Dieu choisit une seule personne comme Paul l'apôtre? Pourquoi ne pas multiplier Paul l'apôtre comme ça dans chaque nation au moins 40? Est-ce que ça lui est impossible? Pas du tout. Mais il fait tout selon sa propre volonté. Volonté. Maintenant, ici, il est dit, la moisson est grande. Donc, ça veut dire qu'il est conscient même de ça. Donc, il y a du travail. Il manque les oubliés. Il manque des ouvriers. Et ce qui est curieux, c'est que c'est sa moisson. Il demande à qui? Aux hommes de prière. Des prières, il faut qu'on envoie. Pour aider l'envoyé. Donc, il dit, vous, priez pour que j'envoie des ouvriers à ma moisson. C'est pour ça que quand on a compris toutes ces choses, on ne se casse plus. D'autres personnes sont là, ils disent, ah non, Dieu périt dehors. Les gens déjà prient. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, je dis toujours que la grande commission n'est pas pour tout le monde. Il faut que lui l'envoie. Et donc, si donc celui-ci qui est conscient que la moisson est grande, et il est déjà conscient, déjà qu'on le veut ou pas, qu'il ne soit pas conscient, c'est celui qui est l'ouvrier. Naturellement, il devait envoyer les gens à Ça sa va. moisson. C'est clair. Mais il demande que c'est vous qui devez prier pour qu'il envoie les ouvriers à sa moisson. Tu vois cela? Paul l'apôtre à qui il est dit que vous êtes tu es l'apôtre des païens, prie à tous les Thessaloniciens. Il dit que 3 fois déjà voulu venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Dans un autre lieu, encore des évangiles, il dit que priez pour moi afin qu'il soit une fois ouverte, afin que j'annonce l'évangile qu'on doit annoncer. Donc il faut prier à Dieu pour que Dieu dise à Paul, annonce bien l'évangile là. Alors que celui qui l'a appelé, il dit que je te suis appelé à quoi? Apparu. Apparu pour des choses dont je t'ai établi, pour celles que je vais t'apparaître encore plus tard. Pierre, à qui il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16 et 18, il dit que tu es pierre sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans le chapitre 16, 12, on attrape, la Bible déclare que Hérode avait fait décapiter Jacques. Et voyant que cela plaisait aux Juifs, il a mis le comble en faisant emprisonner Pierre. Mais comme c'était la période de la fête des Pâques, il attendait que la fête de la paix puisse passer afin qu'il les livre aussi pour être trouvé. La Bible déclare, et c'est pour ça que j'aime Pierre dans cette condition-là. On avait mis les chaînes sur lui, le gars couché, enfin qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Non. Il dormait. Mais c'est à lui qu'on avait donné le capitaine. Il a fallu, la Bible déclare dans ce même chapitre 12, la Bible déclare que l'Église ne cessait d'adresser en sa faveur de prier à Dieu. Que Seigneur, fais ce qu'on libère Pierre. Tu vois cela? Quelle est la chose? Pierre est censé accomplir la volonté de Dieu. On l'a attrapé. Dieu reste tranquille. Il dit, priez-moi pour qu'il fasse libérer Pierre. C'est curieux, pas vrai? Curieux. Donc Dieu veut la coopération là. Dieu veut la coopération pour qu'on sache qu'on est d'abord de l'invisible avant de marcher dans le visible. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, il est dit d'abord dans la parabole où Jésus dit, la Bible déclare, lisons encore, ça c'est aussi amusant encore. Luc 18. À partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Même l'introduction de la parabole était étonnante. Luc, chapitre 1. Non, chapitre 18. 18. Il dit que la parabole, c'est le but de cette parabole, c'est pour vous montrer que. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette problématique de pourquoi prier alors que Dieu connaît toutes choses, c'est comment Jésus lui-même, sachant qu'il est venu pour tes missions, pour te prier, que Père, éloigne s'il était possible cette coupe de moi. Tu vois, connaissance de la volonté. Et encore, c'est lui à l'œuvre. Alors, dans ta version, qu'est-ce qu'on a dit au verset 1? Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier. Sans jamais se décourager. Sans jamais se décourager. Donc, dans ta version, tu dis que sans jamais se décourager, ça suppose qu'il se pourrait que tu pries, même la chair de poule ne t'attrape pas. Tu pries, mais même pas le bruit de criquet à côté. Mais c'est vrai que ce silence-là ne doit pas faire qu'on se décourage. Et donc, le verset 1, donc, meuble du fait justement qu'il a dit à ses disciples, qui entend sa voix, entend marche avec lui, mais il les prépare psychologiquement que vous devez prier sans relâche. Quand il va donner la parabole de cette femme avec le juge unique, disons le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8.
Directement, parce que vous connaissez ces passages-là, pour qu'on j'ai la Verset brèche. 7, il est écrit: Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il le fera promptement. Il leur fera promptement justice. Ouais. Franchement. Ça part de promptement. Non, ça va. Ça part de promptement là. C'est que tu cries bon jour et nuit. Donc, et quand il répond, il dit c'était promptement qu'il a répondu. Tu vois ça? Et justement, ce qui m'a toujours intrigué aussi, quand on prend le cas d'Élie, parce que lorsque Jacques vient rapporter l'histoire, il dit qu'Élie était un homme de la même nature. Il priait avec insistance pour qu'il ne Insistance. plie pas. Et même, or, quand on lit l'histoire dans 1 Roi 17, il a dit qu'Élie est venu, il a dit parole de celui qui se tient devant. Donc, il était justement dans son rôle qu'on l'a envoyé, de dire, mais Jacques va nous apprendre Il a qu'Élie, prié pour qu'on il a s'arrête prié pour qu'il ne pleuve pas. quoi. Et même, lorsque le temps était accompli, il fallait encore qu'il prie. Il demande à son serviteur que get, va get, il y a quelque chose, il dit non, il prie encore. Donc, dans le cas là, c'est justement la même situation. Je pourrais dire que oh, mais Élie était envoyé là par le Oui, Dieu. non, Il n'avait qu'à dormir et quand ça finit, la pluie retombe encore. Les gens donc n'ont pas compris toutes ces choses. On croit peut-être que le fait que tu sois avec Dieu montre clairement que tu as besoin, que il suffit de faire comme ça, d'un claquement de doigts, Dieu donne. Il faut qu'on se souvienne qu'il est Dieu, qu'après avoir accompli tous ses desseins, après avoir respecté la parole telle qu'il s'est dit, Dieu est toujours souverain de ses terres. Il est toujours souverain de répondre par oui ou par non. Parce qu'il faut regarder dans son plan ce qu'il en est. Comment se fait-il que quelqu'un comme Abraham, il rend la femme stérile et il demande à Abraham de prier pour Pharaon. Il a prié toutes les femmes de Pharaon, les femmes qui étaient là-bas accouchées. Entre-temps, sa femme ne couche pas. Si ça avait été aujourd'hui, vous voyez que le pasteur n'est pas normal. C'est sûr qu'il a vendu les C'est reins de sa clair. femme. Pas vrai? C'est clair en fait. Donc il passe quelque part, il prie, ça donne. Mais pour lui, ça ne donne pas. Imaginez l'angoisse qui devait être dans son âme. Ouais. Regardez le cas de Jacob avec Rachel. Comment il pouvait avoir des difficultés pour accoucher. Regardez quoi, Isaac avec sa femme quoi, Rebecca. Donc, c'est comme ça. Les gens qui marchent avec le Seigneur savent que Dieu est souverain. Et il nous invite à la prière. Le cadre de Jérémie 33:3, c'est une invitation à la prière, à une coopération avec lui et la réponse de Dieu de répondre aux hommes. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu invite les hommes à l'invoquer. Je te répondrai. Le plus grave, c'est qu'il y a de ces choses que c'est Dieu connaît. Et le problème, c'est que nous ne connaissons pas ce qui arrive. Il dit que je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, Dieu connaît. Est-ce que nous ne connaissons? Est-ce que nous les connaissons? Non. Alors, demande-moi qu'il te montre. Tu vois cela? Parce qu'on a besoin de lui. Parce qu'il y a des zones d'ombre. Il y a des ténèbres. C'est pour cela qu'au ciel, on n'a pas besoin de prier. Parce qu'il n'y aura pas de ténèbres là-bas. On a des ennemis ici qui peuvent nous mettre les pièges. Dieu a besoin, nous avons besoin de la coopération de Dieu pour savoir qu'ici il y a le piège de l'ennemi. David s'est plaint à partir de Psaume 53 jusqu'au Psaume 57, où il a dit que les ennemis sont nombreux, ils sont nombreux, ils me pillent, ils regardent, ils souhaitent ma perte, pas vrai? Il dit auprès de toi, mais j'ai recours à la prière. Pourquoi il a recours à la prière? Il a recours à la prière parce qu'il sait effectivement que sans lui, les ennemis vont le faire tomber. Il dit que celui qui était à ma table, qui était mon ami, il lève le talon contre moi parce que tu ne connais pas le dessein de son cœur. Le cœur qui celui qui a été regardé avec qui tu manges, je ne sais pas ce qu'il a s'il a de méditer ta perte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de celui qui sonde le cœur et les rêves pour qu'il donne le secret de l'autre, que fasse attention, que tu fasses attention avec telle ou telle personne. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier parce que nous avons les ennemis qui nous guettent. Nous avons besoin de prier parce que ce que Dieu connaît de nous, nous ne connaissons pas. Nous avons besoin de prier parce que nous ne connaissons pas quelle direction nous sommes en train d'aller. Dieu les connaît, mais il détient l'autorisation, enfin, ou mieux encore la souveraineté de nous les donner ou pas. Tu vois, il faut donc la Bible déclare donc que sans la révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, s'il ne te révèle pas quelque chose, tu vois vraiment l'ennemi. Prenons un exemple encore dans le livre des deux rois. La Bible déclare que le roi d'Assyrie venait attaquer Israël. Il dit au prophète Élisée, descends au roi de ne pas passer à tel ou tel endroit. Bon, si le roi sort le matin, il dit, oh, je m'en vais combattre. N'est-ce pas, il va tomber dans le trou. Mais voici, Dieu a dénoncé le plan de l'ennemi. Donc, surtout encore, on peut encore amplifier ici, hormis notre participation, notre coopération avec Dieu, c'est la présence de l'ennemi surtout qui fait l'état enceinte que nous avons besoin de prière. C'est la présence de l'ennemi. Parce qu'au ciel, on n'a pas besoin de prière parce qu'il n'y a pas l'ennemi. On sera en pleine adoration. Ici, on a besoin de prier parce qu'on a besoin de rectifier les tirs. Parce que chaque fois, l'ennemi fait tout pour que nous fautons devant le Seigneur. Nous avons besoin de prier pour demander pardon. Nous avons besoin de prier pour que Dieu relâche. Il dit que ta volonté, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc remarque bien, la volonté de Dieu doit s'établir. C'est parce qu'il y a des résistances.
alors qu'au ciel c'est établi. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Dans le ciel, sa volonté est établie. Tu vois ça? Et à toujours. Que ton règne vienne. Donc ici, ce n'est pas encore venu. Dans le chapitre 11 d'Apocalypse, verset 15, on dit que quand le septième ange sonnera la trompette, le mystère de ce royaume-là sera remis à son Christ, n'est-ce pas? Mmh. Alors donc, c'est surtout la présence de l'ennemi qui fait de telle sorte qu'on doit intensifier la prière. S'il n'y a pas d'ennemi, vous êtes dans un quartier où il y a la sécurité, il n'y a pas de bandits. Est-ce que tu pourras laisser ta porte ouverte et t'inquiéter? Est-ce que tu pourras laisser ton porte-monnaie dans ta voiture et t'inquiéter? Même quand tu mets la lampe dans notre air, ton cœur n'est pas toujours tranquille parce que tu sais que même étant dans la barrière, on peut venir te trouver là-bas. Exactement. À cause de cela, tu dois veiller. Veiller et prier. Veiller et prier. De peur qu'on ne tombe en tentation. Dont la présence de l'ennemi nous pousse à la prière. Quand on sera dans la présence de notre grande gloire, grand Dieu sauveur Jésus-Christ, on n'a pas besoin de prier parce qu'on sera dans sa présence d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et ceci révèle encore beaucoup plus le rôle justement de l'Église, par exemple dans une nation comme la nôtre. Mmh. Donc, parce que dans Dieu dans le règne des nations, on voit que l'homme a sa part de responsabilité pour que Dieu puisse faire ce qu'il a fait en quelconque coin. Donc, et on se rend donc compte que la véritable autorité, même si les gens marchaient vraiment comme mm-hmm. Dieu veut, la plus haute autorité dans une nation serait l'Église. Mm-hmm. Donc, ils auront le pouvoir d'interdire, d'éviter certaines choses, mm-hmm. des forces maléfiques et tout ça qui s'établissent. Les penchants que les hommes ont, le péché qui abonde, mm-hmm. on le ferait. Donc, je crois que c'est vraiment un sujet qui est... C'est vraiment vaste. C'est quand je regarde aussi toutes les fois, avec certaines des fois où on demande de prier, on dit prier les uns pour les autres, prier pour ceci, prier pour tant. Ceux qui sont élevés en dignité. Il y a tellement de raisons, tellement de fois où l'on demande de prier, les buts sont certainement différents, mais toujours est-il que. Tous ces buts-là, de toute façon, tous ces buts-là peuvent être ramenés à deux. Oui. Dieu désire la coopération de l'homme et la présence de l'ennemi. Tout va se tourner autour de ces deux-là. Il n'y a pas plus de deux. Maintenant, lorsque la coopération de l'homme, déjà peut-être l'essence où on requiert quelque chose. Dieu dit, tant moi, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas l'homme, lorsqu'il marche à diriger, c'est pas. Donc, parce que nous sommes la nuit. Mm-hmm. Tu ne sais pas en rentrant à la maison ce qui pourra arriver. Donc, tu as besoin de lui pour qu'il te conduise à la maison. Et concernant ce sujet de prière, ce qui est encore plus bizarre avec Dieu, c'est que toi tu parlais devant Dieu avec tes problèmes parce que tu as les problèmes plein la tête. Mm-hmm. Tu es là dans tes problèmes en train de porter tes problèmes. Il te montre autre chose. Il te dit que, en fait, c'est comme si c'est même pas pour ça que tu dois prier. Voici là où toi tu dois prier. Mm-hmm. Donc, pour dire encore que, même lorsqu'il dit de prier, il dit même parfois, il dit dans sa parole que nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc nous ne savons pas. Mais il demande juste que nous venons dans la prière. Mmh. Donc on vient de se prosterner dans un esprit de prière. Mmh. Et peut-être là, lui va amener les choses qui vont accomplir son dessein. Donc on prend du temps. Et moi, ça me rappelle toujours un peu l'histoire de... Comme tu prends par exemple notre président. Est-ce que vous pouvez imaginer peut-être, si je viens chez toi, tu me dis, Franck-Henri, attends-moi là, j'ai 10 minutes là, je vais prier. En réalité, ce que tu m'as dit là ne peut pas être possible. Bah, tu dis 10 minutes, ça c'est ton temps que tu as. C'est ton temps que tu as fixé. C'est comme si quelqu'un va à la prison et dit ah, bon, comme tu me reçois là, on a 10 minutes, mm-hmm. l'audience là, et puis je pars. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux pas. Si tu entres sur le président, c'est lui qui sait quand ça commence. Lorsqu'on n'a pas compris à qui on s'adresse, et celui qui est dans l'invisible, c'est les bêtises qu'on fait en fixant le temps de prier. C'est-à-dire que tu vas vers lui, tu dis que Seigneur, tu as intérêt à me répondre avec ces 10 minutes. En tout cas, on vient lui bombarder les choses. Mm-hmm. Le temps qu'il fait pour répondre, on est parti. C'est un peu comme comme pour le cadre, pour prendre ton cadre d'école, vous entrez chez le président. Que, Monsieur le président, oui, bonjour. Je suis venu te dire que les routes de toi sont gâtées. Oui, ok, je m'en vais. Il va te faire arrêter tout de suite. Mais tu ne traverseras pas la porte parce que le protocole va t'arrêter. Mais c'est ce que nous faisons devant le Seigneur aujourd'hui. Ah oui. Seigneur, tu as vu toi-même ce qu'il m'a fait. Tu as vu ça. J'ai dit, ah bon. Le temps de dire, ah bon, tu es parti. Donc, viens seulement bavarder devant Dieu. Oui. Mais il est bon d'attendre avec un silence de secours de l'éternel. C'est encore ça qui est encore pire, c'est un petit poussement, tu vois même pas ça se réaliser. Tu entends ce que lui dit?
J'ai entendu ce qu'elle a dit. Oui. Elle dit quoi? C'est même ça, encore ça même qui est pire. C'est que parfois, quand tu pries, même tu restes là, tu demandes, mais la fesse, même, je prie comme ça, même un signe, il n'y a pas. Je vais te donner un secret, mais tu ne diras plus jamais ça à personne, d'accord? Ce secret, tu gardes pour toi jalousement. Vous priez pour être exaucé. Faut quitter la chair. Voilà. Amen. Si tu quittes la chair, ça règle le problème. Et justement, là, ce qu'il dit, ça, Dis c'est. ça, ne dis jamais ça à personne. Il faut que quelqu'un sache ça, d'accord? D'accord? Et ça, il y a des choses qu'on a vraiment besoin de grandir avec Dieu. Parce que moi, longtemps, j'ai souvent pensé que prier, c'est en fait comme un enfant qui fait son devoir, non? Parce que peut-être, si tu as ton fils là, tu lui dis qu'as-tu prié ce soir, c'est as-tu récité? Ou as-tu. Donc, un truc banal qu'il fait pour dormir. Mais en réalité, la prière, la vraie. Par exemple, quand tu viens, tu t'assures que je sais pas, les 5-15 premières minutes, ton esprit, si tu as boulingué dans toute la journée, aller, ça va commencer. Oh, est-ce que tu te dis, okay, est-ce que tu sais que tu n'as pas fermé la porte? Ton esprit est là-bas. Est-ce que tu as même sécurisé? Donc, il y a plein de choses qui passent. Oh, ça c'est à peine C'est une 15 phase, minutes. c'est une Voilà, phase. c'est une phase seulement. Donc, il faut que tu progresses jusqu'à vraiment quitter la chair et être au point de contact avec l'esprit. Ou maintenant, la prière, là, tu peux rester là, sans dire un mot, mais tu es en communion avec Dieu. Mais beaucoup de fois, on vient, on bavarde. Bon, sans te couper, Oui, mon frère. si là c'est une phase, et bon, maintenant, étant donné que nous sommes des êtres humains, que nous avons des contacts avec l'extérieur, hein, ça veut dire que par exemple, pour d'après ce que tu dis que vous êtes en train de développer, ça veut dire que par exemple, pour prier et vouloir être exaucé, il va falloir, parce que ce n'est pas évident, comme on a un contact à l'extérieur, de quitter directement. Et aller peut-être quitter la chair directement. Donc il y a un minimum de temps, par exemple, qu'il va falloir laisser écouler pour pouvoir maintenant prétendre être, hein, d'après. Donc ça veut dire qu'il y a si je comprends bien, va falloir allouer un minimum de temps pour quitter entre contact extérieur et cette Même pas un concentration. minimum, parce que si on dit que Dieu est supposé avoir la première place, n'est-ce pas? Qu'il est la priorité. Au-delà même du temps, c'est la préparation de notre esprit. Parce qu'on doit se préparer à entrer en. C'est comme si, comme on prend toujours cet exemple du président. Tu peux te lever, tu dis que tu vas à la présidence. Tu te prépares, non, avant d'y aller. Tu vas un peu. Et quand tu te Et en prépares. plus, quand tu t'amènes là-bas dans la salle de diable, quand tu y vas, on te reçoit pas de facto. C'est le service de protocole va t'introduire. Quand on ne t'introduit pas, si on ne t'introduit pas, tu restes dans la salle d'audience. Et même si tu avais n'importe quoi au quartier, tu sais effectivement que tu as mis ça hors d'état de nuit pour pouvoir être là-bas. Tu vois cela? Donc il va falloir qu'on mesure effectivement à qui on a devoir s'adresser. Parce que les gens, comme on dit, oh, il faut que je parte au travail, je dois aller prier. À parler avec ce Dieu-ci-là, celui de la Bible-là, il faut un temps de qualité. Amen. Amen, mon frère. En fait, il faut qu'on tienne Dieu en haute estime. Et Quand ça ça. ne va pas, les gens vont commencer à chercher les bâtons, enfin, les soutiens dans la prière. Frère, prie pour moi. Toi, va devant Dieu, parce que toi, tu peux prier pour Dieu. Que toi, tu vas devant Dieu, tu parles pour moi. Et la Bible déclare que nous avons les uns, les Les autres autres. accès. Lui, il refuse lui d'entrer. Que va prier pour moi, hein, frère Junior. Oui, je vais prier pour toi. On peut même bien comprendre pourquoi le Seigneur s'est retiré dans la montagne C'est ça. pour aller prier. Tu penses qu'en tant qu'être humain, il n'a pas besoin, il n'a pas posé les besoins. Mais le problème, c'est que il avait vendu tous ses besoins à Dieu. De telle sorte que lui, il est venu pour faire sa volonté. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. C'est pourquoi j'ai dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il vient pour faire sa volonté. Il dit le Père même parce qu'il fait sa volonté. Il fait ce qui lui est agréable. La question c'est, est-ce que nous faisons ce qui est agréable à Dieu? Déjà, est-ce que nous savons bien pourquoi nous sommes là? Si nous savons pourquoi nous sommes là, c'est bon. C'est une chose. Il y a du travail C'est du et travail. c'est pour ça que moi je comprends que tu vois même depuis le temps des prophètes et même des serviteurs de Dieu c'est que
Si je viens par exemple voir un prophète, il ne faut pas chercher à bâtir l'affinité charnelle. Normalement, tu dois dire ce qui t'amène. Il a trop peut-être une minute à t'accorder. Parce qu'il ne faut pas que vous rentrez dans. Il doit être dans sa dimension de pouvoir apporter d'instruments de Dieu, de dire ce que Dieu veut qu'il dise. Et qui dessus est là-bas. Tu vois. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Parce que quand ils vont venir, c'est qu'il faut que vous restiez 1 heure. Oh, peut-être il y a 1 minute. Il vient, tu t'assois. J'ai tel ou tel problème de péché qui me dérange. Il prie 1 minute, Dieu est parti. C'est fini. Mais pour vivre comme ça, de nos jours, les gens vont. Regarde un peu les prophètes d'avant. En fait, ils n'aimaient pas trop être en contact avec le quotidien des gens chaque jour. C'est pour ça qu'ils sortaient de là où ils étaient, ils venaient, ils disent ce qu'ils ont à dire et ils repartent. Ce genre de notre monde, c'est merveilleux, ces villes-là. Justement parce qu'ils ont besoin d'être dans cette atmosphère-là pour se voir. Parce que quand tu commences à voir des gens qui vont, tu vas mélanger les choses. Et ils ont juste besoin de dire, de faire ce que Dieu leur demande de faire. Et la prière demande aussi une vie vraiment de séparation de certaines choses. Il faut se préparer. Parce qu'on voit les chrétiens d'avant, ils étaient dans les jeûnes et dans les prières. Parce que concernant à ce qu'on a dit que Jésus a prié, mais il faut au préalable, je crois, on n'a pas assez enseigné ça aux gens. Que Dieu est un saint. Quand tu commences avec lui, il faut que tu habitues. Tu dois travailler ton corps comme l'apôtre Paul dit qu'il traite durement sa chair. N'est-ce pas? Parce que la chair est justement souvent comme un enfant gâté. On est les enfants des bosses. Plus tu lui donnes, plus il demande. Donc, quand tu vas donc t'habituer comme ça, habituer, t'asseoir avec les jeunes et tout le reste, ce sera un style de vie. Et chaque fois donc, tu auras ton esprit bien disposé pour pouvoir prier. Parce que notre âme est comme une fenêtre. Donc quand il y a trop de choses là qui enveloppent l'âme, ça fait que ton esprit, tu ne peux pas prier parce qu'on doit normalement prier par l'esprit. Mais si maintenant, l'âme, il y a tellement de choses, il y a des blessures, il y a le péché, il y a tout ça, ces choses-là vont étouffer. Même si tu reçois la parole de Dieu, ce sera comme si tu ne pourras pas être disposé dans l'esprit. Or, on voit que beaucoup de personnes, la prière, ce n'est pas par le nombre de mots qu'on a donné. Il y a des prières très brèves, même une ligne dans la Bible d'un prophète. Tu vois, mais on voit des choses se passer. Parce que prier est un style de vie. Parce qu'on a vu l'apôtre Paul qui nous dit de prier en tout temps. Ce n'est pas bavarder en tout temps qu'on va rester là comme ça, on marche en route comme des fois en bavarder. Vous priez sans cesse. Oui. Donc c'est que nous serons plongés dans ce. En réalité, c'est une vie de communion. Ça revient à ce qu'on disait dès le départ là. Être en communion avec Dieu. Une vie de séparation. Oui, forcément. De... Et il faut être prêt à payer le prix de ça. Parce que ça va nous coûter. Ça a médité. C'est déjà bien. Parce que si chacun de nous ici, Dieu vient peut-être me dire, mon fils, est-ce que j'ai la première place chez toi? Est-ce que tout de suite, pour ouvrir la bouche, je dis oui? C'est que Dieu va présenter au moins même deux ou trois éléments qui montrent que il y a quelque chose. Je te présente ça, il te donne la même baffe. T'as dit oui pourquoi? Tu confirmes que tu ne devais pas dire oui. Parce qu'en réalité, même si. Supposons que on bosse quelque part. Tu peux être en prière même et un jour Dieu te dit que tu ne vas pas aujourd'hui là, tu ne bouges pas. Tu vois? Tu ne sors pas, ne sors pas de chez toi, reste chez toi. Mais comment on sait qu'au boulot là, ça ne pardonne pas si on a 17h30, 17h45, tu on va faire tout pour être là. Mais si on a... C'est que tu vas chasser la voix de Dieu au nom de Jésus. Il chasse de voix qu'il il est écrit que l'homme va de pain seul ou l'homme doit venir de sa sueur. C'est pas ça. Que la poule dans un tes siècles, que c'est que tu ne manges pas une que tu ne travailles pas, ne manges pas non plus. Tu vas chercher tous les gens les versets. Et moi, je crois que les gens ont des problèmes pour prier aussi parce que très peu de personnes ont réellement déjà goûté Dieu.
D'autres ont même peur que Dieu parle. Si Dieu parle, ils savent que Dieu va parler en contradiction avec ce qu'ils font. Ouais. Donc quand quelqu'un parle, voilà ce qu'ils disent en réalité. Ils disent que laisse-moi parler, ne parle pas. Seigneur, tu es bon, tu es ici, portez-moi toute la vie. Au nom de Jésus, amen. Je suis parti. Je suis parti. Sachant que quand il parle comme ça, si Dieu dit que oh stop là, mon Dieu, tu pars où? Dieu dira que tu n'aimes pas mettre les pieds dehors. Donc il ne voudrait pas entendre ce que Dieu veut dire. Non, c'est clair. Alors que son nom soit glorifié. Amen.